On a testé 13 lampes de luminothérapie et dans cette vidéo, on va vous montrer celles qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 3 Behrer TL50. Cette lampe de luminothérapie a des dimensions qui la rendent compatible avec des espaces larges comme des plus petits. Son diamètre est de 24,5 cm. Le pied est directement intégré à la lampe pour plus de praticité. Il s'agit d'une lampe assez basique. Un simple bouton marche-arrêt permet de mettre en route ou d'éteindre l'appareil qui est dépourvu d'une fonction minuteur ou de réglage d'intensité lumineuse. Malgré ça, nos tests ont révélé une lampe agréable à utiliser qui devrait ravir les personnes à la recherche de simplicité sans pour autant faire l'impasse sur l'esthétique. La température de couleur de la lampe est de 5300 Kelvin, ce qui nous a semblé comparable à un blanc neutre. Durant le test, nous avons trouvé l'intensité lumineuse très élevée. La marque indique que la lampe atteint 10 000 lux à 15 cm de distance et recommande des séances de 30 minutes à 15 cm, 1 heure à 25 cm ou 2 heures à 35 cm. En conclusion, cette lampe a un design rond à la fois pratique et esthétique. Simple et efficace, elle ne s'encombre pas de fonctionnalités annexes, mais elle propose une vaste surface lumineuse. Top 2 Top Life TL188. Durant nos tests, nous avons apprécié que cette lampe ait deux niveaux d'intensité lumineuse. C'est assez rare à ce niveau de prix. Il est donc possible de régler l'intensité sur 10 000 ou 6 000 lux. La marque indique dans le manuel que ces valeurs sont atteintes quand on se place à 15 cm de la lampe. Pour le temps d'exposition, il est recommandé de rester 30 minutes devant la lampe si on est à 15 cm et 2 heures si on est à 30 cm. En termes de design, cette lampe rectangulaire est assez simple. Un unique bouton est prévu pour l'allumer, l'éteindre ou diminuer son intensité lumineuse. Il y a aussi un petit embout en métal pour la mettre droite. Grâce à cet embout, nous avons facilement pu mettre la lampe à l'horizontale ou à la verticale. Des petits caoutchoucs sont aussi présents pour éviter que la lampe glisse. La surface lumineuse est de 22,5 par 12,9 cm, ce qui n'est pas la plus large surface du marché, mais ça rend la lampe peu encombrante. Le câble d'alimentation mesure 2,5 mètres, ce qui permet de placer la lampe à peu près n'importe où dans une pièce. Il y a également un sac de rangement fourni à l'achat. En résumé, nous recommandons ce modèle si vous cherchez une lampe de luminothérapie rectangulaire à un prix compétitif et qui propose deux niveaux d'intensité lumineuse. Top 1 Behrer TL70. Si sa grande taille la destine à une utilisation fixe dans un espace assez large, elle nous a séduit par sa surface lumineuse importante de 33 cm de diamètre. Avec son design rond, nous avons trouvé qu'elle pouvait se fondre avec élégance dans n'importe quel intérieur. Cette lampe embarque toutes les fonctionnalités nécessaires à une utilisation pratique. Tout d'abord, son intensité est réglable sur 10 niveaux, ce qui est avantageux pour s'adapter aux préférences de chacun. Ensuite, elle a un minuteur qui guide la séance à l'aide de 5 paliers, 15, 30, 45, 90 ou 120 minutes. Enfin, son arrêt automatique est bien survenu à la fin du temps choisi. Nous avons jugé son utilisation très instinctive. La luminosité se règle à l'aide de deux boutons tactiles présents sur le dessus de la lampe, près du bouton marche-arrêt. Le minuteur se situe quant à lui au niveau du pied. Nous avons noté que la lampe gardait en mémoire le dernier niveau de luminosité utilisé entre deux séances. Par contre, le temps est à programmer à chaque fois. Des petites LED font le décompte du temps qui passe au fil de la séance. Au niveau de la température de la luminosité, la marque renseigne 5300 Kelvin. Nous avons trouvé que ça correspondait effectivement à la température légèrement plus chaude de cette lampe par rapport à d'autres modèles que nous avons testés. La marque recommande de l'utiliser pendant 30 minutes à 10 cm car à cette distance, la puissance de la lampe atteint maximum 10 000 lux au niveau le plus élevé. Si vous vous éloignez, la puissance diminue et il faut alors prévoir des séances un peu plus longues pour le même effet, 1 heure à 25 cm et 2 heures à 40 cm. En conclusion, en plus de séduire par sa qualité lumineuse, son design moderne et sa grande surface éclairante, elle offre des fonctionnalités complète et personnalisable. Et voilà qui termine notre sélection des meilleures lampes de luminothérapie. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et à bientôt sur Selectos.